Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tourne un dimanche et ça va quand même être la base code pour des raisons pratiques, je dirais des raisons technico-pratiques, mais ça devrait quand même être assez sympa puisqu'on était quand même resté sur sur des thématiques assez sympathiques lors du dernier stream la base code. Mais avant d'aller détailler un peu de quoi il est question dans le Labas Code, bah, je vais en profiter pour saluer celles et ceux qui sont déjà là. Et le son est un peu bas, et bah, je vais le remonter tout de suite. Alors, voyons voir ça. Lui, il est bon. Hop là. Et le micro. Alors. Alors bon, il y a la technique du je mets le micro plus près, mais je suppose que ça n'est pas suffisant. Parce que pourtant là le micro est à fond au niveau OS. Est-ce que au moins c'est bien le bon micro qui est dans les propriétés? Oui. Hop là. Toutoum. Je suppose que c'est toujours un peu bas, ma mignotte. Voyons voir où est-ce que je peux avoir d'autres. Ouais, alors, est-ce que je vais déjà m'assurer? Ouais, ça c'est bon, il est dans le bon sens. Non, il n'y a pas de souci, sois pas désolé. Alors, pousser le gain. Hop. Alors, il est là. Et si je pousse. Hop. Est-ce que c'est déjà un peu mieux comme ça? Ça fait partie des petits réglages malheureusement qui se font en direct et pas forcément évident à faire offline. A priori aucun changement. Alors, on va retourner voir, on va remodifier encore, hein. On va pousser, hein. Hop. J'ai repoussé encore un peu cette fois-ci. Là, je commence à aller dans les jaunes, donc. Ouais, c'est mieux. Ok. Ok, bon. Si je baisse un peu le micro là, enfin physiquement là, c'est toujours bon. Parce qu'avoir le micro vraiment juste devant, c'est pas toujours pratique. Donc que je sache si je rajoute encore du gain pour compenser l'éloignement. Ok, c'est bon. Nickel. Bien, super maintenant de confirmer que c'est ok. Bon, eh ben, je pensais qu'il n'y aurait pas de changement au niveau son sur cet upgrade de système 24 heures avant le stream. Finalement, il y a eu il y a eu quelques blagues au niveau son. Bon, où en étions-nous? Eh ben, à la base, l'idée, c'était exceptionnellement ce dimanche de faire du Labas Code. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un petit changement Ah bah, rien que ça, j'arrive, j'ai à peine de régler le son, paf, raid de 35 personnes. Eh, merci Chaos, merci beaucoup. Chaos Farboti qui nous raid comme ça, avec 35 personnes. La classe, merci beaucoup. Merci à toi et aux 35 personnes. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, bah, toutes et tous, vous n'avez rien loupé. Vous n'avez rien loupé. Enfin, si, vous avez loupé plein d'épisodes précédents. Mais vous arrivez au début. Donc, allez-y. Posez-vous. Prenez à boire. Tout va bien se passer. Alors, la base code. De quoi est-il question? Comme ça, petit rattrapage pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent de nous... qui viennent depuis le raid. Eh bien, en fait... c'est que il se trouve que lors de mes premiers streams, il y a maintenant un peu plus d'un an,
J'avais commencé à mettre en place une machine que j'appelais un peu mon home lab. Et sur cette machine, bah, j'ai mis de quoi mettre plein de machines virtuelles. Et puis j'ai commencé à faire un petit truc en mode je veux me faire une sorte de maquette réseau qui est, comment dire, quelque part pour essayer de représenter l'Internet avec des routeurs de bordure qui délimiteraient des fournisseurs d'accès à Internet avec certains services et certains accès type, bah, type des accès domestiques ou des accès à entreprise. Et ensuite, je suis passé sur d'autres thématiques et on a pu voir dans plusieurs streams des composants de gestion de configuration et d'infrastructure as code. Je pense notamment, en termes de techno, à Terraform pour l'infrastructure as code, à CloudImage pour un premier jet de gestion de configuration et Ansible pour aller un peu plus loin dans la gestion de configuration. J'en profite pour saluer Karken. Merci beaucoup d'être là, Karken. Et donc, on a tout un tas de techno, mais mon home lab, ma petite maquette réseau là, bah, c'était toujours fait à la mimine. Et quand je faisais certaines expérimentations, ben, j'avais du mal à revenir sur l'état d'avant. Et je me suis dit, bah, maintenant qu'on a pu voir en stream pas mal de petites technos comme ça, eh ben, utilisons-les, essayons de faire une maquette beaucoup plus sympa. Cette maquette, j'en ai fait quand même un schéma que je vais vous montrer. Alors, hop, on va passer tout de suite sur... Hop, ici, si on veut bien avoir... Là, le schéma, voilà. Et donc, en gros, comment c'est un petit peu mis en place tout ça, c'est qu'en fait, on a dans un premier temps ici un routeur qui est en fait l'hyperviseur. C'est l'hyperviseur qui est ici en tête de pont et qui a un premier réseau. Qui est un réseau assez classique parce que si vous utilisez un système Linux et que vous utilisez KVM et libvirt comme outil de virtualisation, si vous installez une VM sans forcément modifier les paramètres réseau, votre VM va être dans ce réseau-là, généralement. C'est le réseau par défaut de KVM libvirt. Et puis on a un petit hexagone là composé de 6 routeurs. Qui symbolise six fournisseurs d'accès Internet différents. Alors pour le moment, tout ça n'est pas en place. Pour le moment, ce qui a été mis en place, c'est à peu près ce que je suis en train d'entourer. C'est à peu près ça. Justement, lors du dernier stream, on était resté sur quelques configurations pour commencer à mettre en place le DNS. Et c'est sur quoi on va continuer ce soir, en fait. D'ailleurs, pour continuer, on va commencer peut-être justement à tout démarrer, entre guillemets. Et pour tout démarrer, eh bien, hop, voici mon Virtual Machine Manager. Alors, pour l'instant, il n'y a que deux VM. Alors, c'est deux VM qui ne font pas partie du lab. Mais, hop, je suis ici. Je vais dans mon répertoire Terraform. Un petit Terraform init. Histoire de s'assurer que tout va bien. A priori, tout va bien. Et ensuite, eh ben, on va faire un petit Terraform. Ben, on va y aller comme des gros gorets, hein, un apply moins auto-approve. Alors, comme d'habitude, hein, je le dis toujours en début de vidéo, le Terraform apply moins auto-approve, faut pas le faire en production sur des trucs, sur des vrais trucs, hein. Là, je le fais parce que je peux me le permettre, parce que c'est un truc que je peux détruire sur mon PC. Et donc tout va bien. D'ailleurs, petit détail, hein, tout ça tourne donc sur mon PC. Mais l'objectif, à terme, c'est que tout ça aille, retourne sur la machine de type Home Lab, laquelle a décidé d'avoir trop chaud en ce moment. Et en plus, ça me permet de garder l'ancienne maquette encore quelques temps. Bien, alors pendant qu'ici ça démarre, je vais me retrouver ici. On va aller dans mon petit répertoire de mon Labas Code. Tiens, d'ailleurs, petit détail, si le code
le code Terraform, Ansible, Cloud Init vous intéresse, sachez que, vous avez pu le voir d'ailleurs, il est écrit ici GitHub, parce que je range mes repos un peu selon là où je les mets, et il y a effectivement un repo GitHub que je vais vous montrer tout de suite, hop, dans une nouvelle fenêtre, hop, le voici. Donc le repo s'appelle bien entendu la base code et je vais vous le mettre. Merci beaucoup pour le follow, Illisoft. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Et donc, hop, voilà le code. Donc je crois que j'ai pas commité lors du dernier stream, mais on commitera en fin de stream. Et puis, je vais rajouter comme d'habitude ça dans les liens du live sur mon serveur Discord. Donc vous avez le lien normalement par là. Et de toute façon, si jamais ça vous ennuie de voir le... alors ça, je peux enlever. Hop. Et si je veux revenir voir... Hop, le Discord. Voilà. Donc le Discord que vous pouvez rejoindre. Alors, si vous voulez pas... Si vous voulez cliquer sur un lien, normalement, il y a, il y a les liens en dessous au niveau de l'interface Twitch et aussi au niveau de l'interface YouTube, si jamais vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube. Bien, alors, ce que je voulais voir aussi avec ce contenu-là, c'était d'aller dans le répertoire Terraform, justement, et d'aller faire un petit vim-p. Hop, de étoile.tf. Voilà. Et ensuite, je voulais aller ici, retourner dans mon... Alors, est-ce que ça marche aussi si on est pire que beginner? Alors déjà, bienvenue à toi, Astro Satin. Qu'est-ce que tu entends par pire que beginner? Parce que... Hop là. Hop là. Cloud Init, et si je fais un petit ici, normalement c'est les user data, donc je fais un petit vim-p, on va dire étoile slash user data. Hop là. Parce que oui, l'idée c'est pas, c'est très clairement pas de dire moi je suis, comment dire, je suis un méga expert et je vous montre comment faire sur, sur ces streams là. D'ailleurs, je suis un méga expert en rien. Le principe, c'est que je fais des choses sur lesquelles je vais très certainement apprendre en même temps que vous. Donc, Astro Satin, si tu veux poser des questions, il n'y a pas de problème. Alors, pour le coup, là, ça va pas être du code Python. C'est du code Terraform, Ansible ou Cloud Init. En ce moment, c'est surtout Terraform, Cloud Init. On n'a pas encore basculé sur Ansible. Voilà, on fait du YAML. Merci beaucoup pour le follow, Spirel. Merci beaucoup. Bien, alors, normalement, tout a démarré. Alors, on va vérifier. Tout a démarré. Ok, ça c'est cool. Je vais aller me mettre... Ouais, YAML as a service. C'est complètement ça, Malmignat. Alors, ça, ça a démarré. Là, j'ai mes fichiers de conf. Enfin, mes fichiers de conf. Mes fichiers Terraform. Ensuite, j'ai mes fichiers côté Cloud Init. Lui, c'est le DNS. Ok. Alors, le DNS, je crois qu'on avait eu un petit souci avant que je lâche l'antenne, si je puis me permettre de cette expression un peu datée, où effectivement je voulais modifier mon etc host et a priori il n'était pas très content. Il n'était pas très content a priori, mais il n'empêche qu'on va pouvoir aller ici, on va faire un petit sudo virsh list, ce qui me permet, avec un seul T. Ce qui me permet de, en fait, de lister en ligne de commande les machines virtuelles qui tournent sur ma machine avec libvirtin. Donc j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de voir via l'outil graphique Virtual Machine Manager. Donc je peux voir ici mes VM et je peux le voir aussi ici en mode texte. Je vais plutôt
tout en bas. Et si jamais je veux rentrer dans une VM, j'ai plusieurs possibilités. La première, je double-clique. Et là, on peut voir les machines. Et ce que je peux faire, c'est que je peux aussi le faire en mode... ça va rester par là. On va le mettre derrière. Voilà. Et ce que je peux aussi faire, c'est que je peux faire un petit sudo virsh console. Et on va prendre le ISP1 DNS1. Hop. Et je peux faire Nils et le mot de passe qui est password. Voilà. Et là, je suis logué en fait sur une console texte. Pour l'anecdote, derrière, sous le capot, en fait, c'est une console série virtuelle. Mais pour le coup, Astro Satin, je fais pas de, je fais pas d'impression 3D, je fais pas de domotique. Mais effectivement, il m'arrive de faire un petit peu de réseau. Justement, l'idée de cette maquette, c'est justement d'aller s'amuser à voir un peu comment Internet fonctionne, puisque les 6 routeurs qui sont présents sur le schéma, ils symbolisent quelque part la bordure de réseau de fournisseurs d'accès imaginaire, bien entendu. Et l'idée, c'est que on va revoir comment tout ça s'interconnecte, notamment avec le protocole de routage dynamique BGP. Mais c'est pas pour aujourd'hui, hein. Ou peut-être que si, on verra comment on avance. Alors, donc là, normalement, ma machine doit pouvoir accéder à Internet. Hop, donc elle arrive à accéder au DNS secondaire de Cloudflare, qui est 1.0.0.1. Et si je tente le DNS primaire, hop. Et pour bonne mesure, si je fais, on va dire, allez, Cloud9, je l'ai aussi. Et puis si je tente de faire un ping vers... merci beaucoup pour le follow, elle s'efface. Merci. On va peut-être aussi vérifier que au niveau DNS, entre guillemets, ça fonctionne. Puisque si je fais un petit Resolve CTL... je sais plus qui c'est qui m'avait montré ça, d'ailleurs. Je sais pas si celui ou celle qui m'avait montré Resolve CTL est dans le live ce soir. Mais encore merci. A priori, on a ce qu'il faut. Mais si je fais un petit host d'un de mes sites internet préférés... Hop, à savoir LinuxFR... Alors, avec un seul G à la fin. Host comme... Ah oui, c'est vrai que c'est une machine assez minimale, donc on va faire un ping. Et là, on a la résolution DNS. Ok, nickel. Mon ETC host, de toute façon, il n'y a pas grand-chose dedans. Et si je regarde en termes de configuration, si je reviens plutôt ici, dans les packages, il y avait DNS mask, puisque cette machine va faire DNS, serveur DNS, et a priori, DNS mask est censé être activé et fonctionnel. Et si je fais un petit sudo systemctl status DNS mask, eh bien, il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Ça, c'est cool. Je vais faire un petit sudo lsof. Hop, voilà. Donc là, il y a pas mal de choses. Trop de choses. Il y en a trop. Si je fais un petit moins i, moins n, ça va le faire. Ok, donc il écoute au passage... Ah non, ça c'est systemd resolved. DNS mask. Non, il écoute bien sur le domain. Ok. Ah oui, 127.0.0.53. Ok. Et 54. Tiens, c'est marrant ça. Systemd resolved, je suppose. Il écoute sur 127.0.0.53 et 54. C'est marrant. Et a priori, on a DNS Mask qui écoute... Ah tiens, ça. Ah, ça, c'est pas mal. Il écoute sur la boucle locale en IPv4 et en IPv6, mais pas plus. Et Malmignot qui dit oui pour que la pointe soit dispo pour les gens qui ne savent pas gérer 1/8. Effectivement. ce qui me fait d'ailleurs penser, je crois qu'il avait été question
à une époque, je crois qu'il y avait eu une proposition qui avait été faite d'aller récupérer des blocs d'adresses IP réservés pour rajouter des adresses IP V4 publiques. Parce que vous savez peut-être, mais aujourd'hui, toutes les IP V4 publiques, au niveau des principaux, comment dire, au niveau des principaux gestionnaires d'IP, les gestionnaires, on va dire, je ne vais pas dire nationaux, mais plus peut-être supranationaux, bah genre, vraiment, voilà, genre Liana, ce genre de choses-là. Donc il n'y a plus de bloc d'IPv4 disponible. Et en fait, il y a des gens qui ont proposé d'aller taper dans 127.0.0/8. De dire non mais vas-y, la boucle locale, elle n'a pas besoin d'un slash 8 entier. Lisser une adresse étoile dans le DNS mask, c'est conf comme un cache local de base. Bah déjà, bienvenue à toi, LCKirua. Merci du tuyau. J'y étais pas encore, mais merci du tuyau. On va aller regarder ça tout de suite. Vim, etc, dnsmask.conf. Comment ça, Vim commande notre farm? Bon, bah, vie. Voilà, vieille. Est-ce qu'on a un listen quelque part? Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne idée que j'aille taper directement dans si. Attends, on a quoi? Serveur égal. On a des serveurs local. T'avais un listen-adresse, je crois. Hop, effectivement, il y a un listen-adresse. Remember to include. Ah d'accord, donc on va peut-être pouvoir rajouter des. On peut peut-être fixer l'IP ou faire un étoile comme tu le proposes, effectivement. Ça peut être une bonne idée. Moi, ce que j'avais vu aussi, tiens, je vais faire tout de suite ça pour être tranquille, c'est qu'on a un etc dnsmask.d. Et ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais faire un truc du genre. Alors, dgrep-i, je sais plus s'il y a une directive include. dnsmask.conf. Ouais, il y a une directive include. All files qui finissent en .conf. Bon, bah, ça va. Ouais, non, mais je suis dans le point D, effectivement. Mais ce serait .conf. Ok, donc, eh ben, on va faire un vi local.conf. On va rajouter. Hop, voilà. On va rajouter un listen-adresse avec 2D égale étoile. Hop, un petit système CTL restart de DNS mask. Et pourquoi il n'en veut pas? Est-ce que je me serais viandé? Hop là. Alors, pourquoi il n'en veut pas? Error line, ligne 1, local.conf. Ah. C'est une strings. Ah! Faut le mettre entre double côte. Hop là. Non, toujours pas. Et il se plaint. Ligne 1. Alors, bon, on va aller regarder dans le. Quand je lui fais un restart, il me dit, allez, journal CTL. Hop. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, code exited. Oui, on s'en sait. DNS mask, erreur ligne 1. Oui, bah ça va, on a compris que c'était. Ah là là. Bon bah. DNS mask.conf. On va regarder la document. D'accord, ça va, j'ai compris. On va aller chercher hop. Et puis on va faire man DNS mask.conf. Hop. Man page. Tiens, un exemple ici. Listen-adresse. Ah, c'est tout en attaché. C'est peut-être ça le problème. Alors. Le man est long comme siphonophore. Oula! Tu m'apprends un mot là, la magnate. Non, toujours pas? Toujours pas. Toujours ligne 1. Alors.
Je vais quand même revérifier que je l'ai écrit correctement. Hein. Listen-addr. Listen. Parce que ça sent la typo hein, quand même. Hein. Ça commence bien. Hein. Avec des simples quotes. Ça peut être une idée, effectivement. Parce que listen-address égale. Je vais juste m'assurer que... Ouais, ok. Allez. Hop. Non, toujours pas. Alors, je tentais d'abord un truc. Je vais lui dire, est-ce que ça passe si on dit 127.0.0.1 comme ça? Ouais, là, ça passe. Donc, c'est peut-être l'étoile qui n'aime pas, en fait. Parce que là, du coup, si je suis un petit LSOF moins, moins I, moins N, on a... Tiens, c'est marrant. Il écoute quand même sur 2.2.1. C'est pas très grave, moi ça me gêne pas. On peut effectivement essayer un quadruple 0. Hop là. Hop. Non, il en veut pas. Il en veut pas. Et si je lui dis slash 0. Non plus, toujours pas. Il va nous dire pourquoi ou pas. Non, j'ai pas l'impression. Netstat Malmignat, Netstat Ah si, il y est. Ok, je pensais qu'il y était plus par défaut. Oula, avec un... Hop. Moins... Ah non, moins plane. Hop là. Ok. Non. Un seul moins devant le... Hop. Ah oui. Et là, hop là. Ok. Et sur celui-là, on a... Bah là, normalement, on n'a plus de DNS masque. Hop. Mais a priori, le 53... Bah, de toute façon, il n'y a pas... le port 53 n'est pas pris sur... Là, on a 000-53-55. Là aussi. Donc ça, a priori, on n'a pas de soucis. Alors, je vais retenter un truc. Hop. Si je fais ça, est-ce que ça passerait? DNS mask. Hop là. Ouais, ça passe. Donc, une... Et si je fais ça, je suppose qu'il va me dire d'aller me faire voir. Ouais. Donc ça, on a compris la syntaxe. Est-ce qu'on peut faire avec une virgule comme ça? Ouais, on peut. On peut. Système D. Système. Hop. Et je vais vouloir dnsmask.service. Je voulais regarder des fois qu'il y ait des ajouts qui soient faits. Mais a priori, non. A priori, non. Voilà. Donc là, on a DNS Mask qui écoute sur ce qu'il faut.
Ça m'a l'air pas mal. Donc si je fais un petit dig, ouais mais dig je l'ai pas. Donc DNF install, alors de mémoire c'est bind utils. Ok. Et si je fais maintenant un petit dig at 127.0.0.1. Et on lui dit linuxfr.org, tiens. Et il me répond. Ok. Et si je lui dis... Voilà. Alors ça, je crois qu'il faut que je le relance. Et si je lui dis notcloudflare.com. Ok, c'est bon. Il me l'a donné. Donc, reste à voir dans notre conf. Ici. Déjà, par précaution, on va rajouter bind-utils, parce que c'est pratique. On va rajouter, hop, content. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Attends, etc dnsmask.d, hop. Ouais, mais alors du coup, il faudra que je vois ça après, donc pass, hop. Slash local.conf. Voilà. Et le contenu, on a dit que c'était comme ça, en listen address. C'est un peu dommage d'avoir l'adresse hardcodée, mais dans l'immédiat, on va s'en contenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un truc, parce que là maintenant, si je veux revérifier que ça s'est bien déployé à l'installation de la VM, je vais avoir un petit souci, c'est que je vais devoir tout détruire pour tout recréer. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un power off. Voilà. Et je vais carrément la delete. Hop, voilà. Et donc là, si je reviens ici et que je suis en terraform plan, il devrait me dire, au fait, il manque un truc. Voilà. Il va me dire, au fait, il faut remplacer le fichier. Ok, ça c'est normal puisque j'ai modifié le user data. Il me rajoute ça, tout va bien. Et ensuite, il me crée la VM. Donc, on réapply et normalement, il va me repopper juste une seule VM. Il m'a repopé ma VM. Voilà. Elle est en train de démarrer. Très pratique, hein, Terraform. Et si je reviens ici et que je refais un XL. Un virage, pardon, pas un XL, un virage console. Voilà. Là, j'ai aussi dans la partie terminale le démarrage de la VM. Alors, est-ce que c'est fini pour autant ? Non, parce qu'on a CloudInit. CloudInit qui raconte des choses. CloudInit a créé mon utilisateur. C'est cool. Si je suis rpm-q-bind-utils. Ah, il n'est pas installé. Et là, on voit à l'écran, ça commence à mettre à jour le repo... Les repos Fedora en vue d'installer le système. En tout cas, les paquets que j'ai demandé. Si je reviens d'ailleurs sur les paquets que j'ai demandé, est-ce que j'ai demandé à ce que... Non. J'ai pas demandé à ce qu'il applique tout de suite les mises à jour. Toutes les mises à jour du système. C'est possible. C'est possible.
Il m'installe SE Linux Policy Targeted. Il m'installe toute la partie fail to ban. Et voilà, bind utils. Ok, cool. Gentil Cloud Init. Je vais le laisser finir. Ah bah. Allez, dépêche-toi Cloud Init. Voilà. Ouais, il me génère des clés, c'est cool. Et a priori, on devrait arriver. Je pense que je dois pouvoir commencer à taper les trucs maintenant. Déjà, je vais repasser route. ETC, DNS mask, .d, local.conf. J'ai un DNS mask qui tourne. Et si du coup je refais un dig at 127.0.0.1 et que je lui demande linuxaffaires.org, ça passe. Et si je lui demande de le faire sur 10.1.53, il me répond aussi. Alors maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur un autre terminal. Et on va aller prendre cette machine-là. Il a une file d'unit. Ouais, bon, c'est pas dramatique. Par contre... Ouais, ok. Donc si je tente un ping 1.1, là, il sort sur Internet. Et si je fais un 10.1.1.53. Ok, donc on a de la réponse. Maintenant, la question, c'est sudo dnf install bind-utils. Parce que lui non plus, il n'a pas bind-utils. Et que si je fais un dig, alors pas 2G... Hop, voilà, dig, ok. Et si je fais un dig at 10.1.1.53 linuxaffaires.org, ça me répond. Ça me répond. Alors, je vous avoue que je suis assez surpris. Je m'attendais à ce que ça ne réponde pas. Ceci explique cela. Voilà. Ceci explique cela. Le firewall n'est pas configuré. Bon. On va peut-être pas le configurer ce soir. Mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée à un moment de le mettre en place. Firewall. Notre ding. Bon, donc c'est vraiment l'image de Fedora, l'image cloud qui visiblement par défaut n'a pas le firewall. Ce qui me fait penser que on peut aller regarder le Kickstart qui a permis de créer cette image de VM et hop, et donc effectivement, il a été mis en disable. Il est même désinstallé en théorie. Ça, c'est marrant. Pourtant, il l'est. Il est là. Ah, mais je sais pourquoi il est là. Je sais pourquoi il est là. C'est parce que j'ai voulu installer fail to ban. Et j'ai dit, vas-y, installe-moi fail to ban firewall D. Et du coup, firewall D vient en dépendance. Et on est en better FS? Sérieux? Ah oui, on est en better FS, sauf sur le slash boot où on est en XT4. Ok. Ok, très bien. Soit. Ça ne devrait pas me poser problème. Enfin, j'espère que non.
Donc j'ai réussi à avoir mon DNS masque qui du coup est accessible depuis d'autres machines. Maintenant, ce qu'il faudrait que je vois, c'est comment rajouter des trucs dans le ETC host. Alors, ce que j'ai décidé de faire comme principe, parce que pour l'instant c'est du pour le moment, c'est que si je reprends mon schéma de ma maquette, à terme, je dois pouvoir, en une, deux, voire trois commandes, pouvoir comment dire, régénérer tout ça. Et quand je dis régénérer, ça veut dire que je peux tout détruire et repartir depuis zéro. Et ce que je veux, c'est que mon lab, ma maquette, soit fonctionnelle. Je veux pas avoir à aller faire des confs à la main pour que ça fonctionne. Et donc, cette machine-là, elle, par défaut, elle vient récupérer justement le dépôt Git que je vous ai montré. Parce que dedans, je vais y mettre aussi la partie Ansible. Donc, ce que j'espère, c'est pouvoir lancer, une fois que cette machine a démarré, au bout d'un moment, lancer le truc Ansible. Et elle aura, ce sera peut-être la seule, entre guillemets, la seule de tout ce réseau-là, elle aura le droit de se connecter tout partout. Et de pouvoir déployer les configurations Ansible lorsque on a de la configuration via Ansible. Sauf que pour le moment, je préfère que certaines configurations soient faites via Cloud Init et donc dès le démarrage, dès le premier démarrage de la machine. Et notamment le DNS aussi, parce que j'aimerais qu'ensuite toutes les autres machines en fait viennent utiliser ces deux DNS comme DNS quoi. Merci beaucoup Spicon de ton follow. Merci beaucoup. Donc c'est l'idée. Et je préfère pour l'instant que les trucs se pop via Cloud Init. Maintenant, est-ce que ça pourrait pas être une idée à terme de remplir le ETC host via Ansible plutôt? C'est une idée. C'est une idée. Mais je vais d'abord explorer un petit peu le remplissage du ETC host via Cloud Init. Donc je vais redécommenter ça et on va voir qu'est-ce qui lui arrive en fait. Parce que je l'ai mis à un append à trous. Je l'avais peut-être pas mis les droits sur le fichier. Normalement, le TC host, il est en 6.4.4. Hein. 6.4.4 route. Ok. Donc on va aller ici. On va faire ça. Hop. Voilà. Et je vais faire comme tout à l'heure. Hein. On va se faire un petit power off ici. Bim. Et on va aller reprendre là. Je vais la delete. Alors, je peux la delete aussi en ligne de commande, hein, mais. Hop. Et puis ça aussi, je vais l'effacer. Pourquoi il me fait un. No write access to path? Non. Allez. Hop, on revient ici. Juste par précaution, je refais un petit plan. Ok. Et c'est parti. Hop, te revoilà. C'est marrant de voir. Alors oui, effectivement, ce mari, ça me trotte derrière la tête, le mode goré, de faire un écho foobar dans ETC host. Mais, je me retiens. Alors. Et effectivement, c'est probablement ce qui va se passer ensuite. J'avais envie de faire propre. On peut pas m'en vouloir. Tu peux pas m'en vouloir, ce mari. Je voulais faire propre. Cela, normalement, il est censé avoir peut-être pas. Si. Non, il a fait quoi? Il a fait les clés SSH. Et a priori. Ah, il a pas réussi à loader le YAML. Il n'a pas réussi à charger le YAML. Ok. Donc en fait, il n'a pas réussi à charger la conf. Donc là, il n'y a rien qui est installé. Il a fait, je comprends pas ce que tu me veux. Alors.
Non, ça c'est Terraform. Hop. Alors pourquoi? Ah oui, parce que le content, j'ai pas indenté les YAML comme il faut. Et ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Enfin, a priori, ça semble être ça. Donc, hop. Non, pas le routeur, le DNS. Mais oui, vas-y, désingue-moi tout ça. Voilà. Hop. On revient ici. C'est reparti pour un tour. Creating. Ok. Et on recommence. Alors, est-ce que cette fois-ci, j'aurai moins de problèmes sur le... sur le YAML. Je dois avouer que YAML, c'est vraiment un truc, ça me fait bizarre des fois. Hop. Ok, a priori, j'ai pas d'erreur comme quoi le YAML, n'était pas... Non, il me... Non. Ok. Ok, ça a l'air plutôt rassurant. Donc... Voilà, et en plus, là, il commence à installer des choses. Nickel. Nickel. D'ailleurs, bien vu, ce mari. Tout de suite, tu vois l'erreur, tu dis, oh, ça sent le problème d'indentation. Ça sent le vécu, hein. Ah, il m'installe ce Linux policy. Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. LSOF, non, ça, c'est pas ce que je lui ai demandé. IPTable NFT, IPTable Libs. Firewall D. Effectivement, il m'installe Firewall D parce qu'il n'est pas installé par défaut. Ok. Ok. Bon. Limite, je suis en train de me dire, je vais peut-être enlever Fail to Ban des trucs par défaut, puisque je suis sur un réseau interne. Et je suis sur une maquette. Donc, a priori, il n'y en aura pas besoin, quoi. Ça ira plus vite à démarrer. Et on pourra toujours le rajouter plus tard. Je vais faire ça sur mes autres machines. Alors non, pas celle-ci. Celle-là, ça peut être une idée. Hop. Hop. Et ça, c'est encore un routeur. Ok. Bien. Pendant ce temps-là. Eh bien, pendant ce temps, il est en train de... Ah bah, bon, il a rendu le shell, donc tout va bien. Ok, il m'a rajouté ce qu'il faut. Bon, c'est pas ultra indenté, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. De fait, si jamais je vais ici et que je fais un petit dig... Ah, je l'avais mis ailleurs. Hop, dig... Donc ça, ça fonctionne toujours. Et si je fais un note cloudflare.com. Ah non, c'est pas ça que j'avais mis. J'avais mis quoi? ns1.example.com. Autant pour moi. Donc serve fail, logique. ns1.example. Oula, pas Linux à faire. ns1.example.com. Et ça fonctionne. Nickel. Génial. Eh ben, on va pouvoir rentrer 2-3 autres bricoles. On va pouvoir rentrer 2-3 autres bricoles. Hop. Alors. On a... Bon, on va peut-être faire le NS2, tiens, le 10-2. 10-2-1-53, tiens. Allez, hop. Hop. NS2. Et la machine ici, elle s'appelait ça comment? ISP. Ok.
C'était son nom complet. On pourra peut-être rajouter effectivement tous les... Parce que si je viens ici, lui, son nom, c'est ISP Router. Ah, tiens. Oh, je me suis viandé, là. Lui, c'est le VPS, ok. Lui, c'est le deuxième DNS. Et lui, ISP2. Ok, donc il y a une typo ici. Hop là. ISP1, routeur 1. Voilà. Et donc, éventuellement, ce que je peux faire, c'est donc lui dire en 10.1. Ouais, je vais faire 10.1.1. Hop. 10.1.1. Hop. Et je lui dis que c'est ISP1 router1.example.com. Et ce qu'on peut faire, c'est lui dire que le 10.2, c'est ISP2 router1. Et... Normalement, c'est le 101 qui est vps1.example.com. Voire même isp1 vps1.example.com. Voilà. Donc, normalement, au prochain, à la prochaine réinstantiation, on aura tout ça. Bon, allez, on va la tracher maintenant et on va recommencer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. T'es où, Virt Manager? T'es là, le DN. Oh, et vous savez quoi? On va tout crash. On va tout relancer. Comme ça, on va voir si ça va plus vite avec le... Alors. On destroy. Et Terraform, apply. Hop, tout d'un coup. Alors là, c'est toujours génial. C'est vas-y, détruis tout. Voilà. Paf, paf, paf. Rien dans les mains, rien dans les manches. Et roulement de tambour. Voilà, il commence à créer. J'ai vu que là, qui crée les réseaux. Il démarre les deux premiers routeurs. Il va attendre 60 secondes. Et après, il va démarrer les machines virtuelles. Alors, pendant qu'il attend ses 60 secondes, je voudrais vérifier un truc sur le VPS. Ça, c'est le DNS. Ça, c'est le VPS. Et le VPS, ouais, il attend le routeur. Il attend le routeur. Il attend le routeur et la question que je me demandais, c'est est-ce qu'ensuite, on fera pas dépendre les autres VM des DNS, en fait. Je pense que ce sera intéressant. Ah, il a tout lancé. Lui, il en est où? Il en est pas trop mal. Lui, bah, il a quasiment fini. Si je fais un petit sudo virsh isp2 dns1. Alors qu'un virsh console serait peut-être pas mal. Voilà. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que je suis censé avoir installé là-dessus? Ça, c'est le DNS1. Ça, c'est un routeur. Ça, c'est le VPS. Et ça, c'est le DNS2. Mais le DNS2, pour le moment, j'ai pas été aussi loin. J'ai iftop lsof git core. Ok. Et visiblement, il est en train d'installer. Alors c'est un peu le seul, comment dire, ça va être au final la seule problématique que je vais avoir. Tiens, curl error, fail writing, fail, what?
Est-ce qu'il accède à Internet? Oui, il accède à Internet. Et si je fais un ping vers mirror.inp23. Non, in2p3.fr. Ouais, si, ça marche. Ok. Et lui, il a eu les mêmes soucis sur le même repo. 500. Status code 503. Donc il doit y avoir un souci avec le repo. Mais a priori, il arrive à télécharger sur un autre mirror. Donc tout va bien. Et lui, il m'a au passage cloné le repo. Ça, c'est cool. Je suppose que lui, il a eu les mêmes blagues, hein. Bon, on les a pas vus, c'est pas grave. Hop là. Très bien. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Donc globalement, il va falloir que maintenant que je reproduise ce qui est là, ici. Donc là, ça va être un peu séance de copier-coller, hein. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être même enlever les trucs de fail-to-ban. Alors, si je fais un petit... Si je viens ici, hop. Je copie ça. Et je paste. Ah, c'est génial. J'adore Vim. Alors, par contre, ce qui est un peu ennuyeux... C'est qu'il faudrait que je vois s'il y a moyen. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'inclusion de conf dans CloudInit? Tiens. CloudInit include files. Parce que là. Mais non pas. Pas fille. Files. User data include file format. Alors. Ouais, mais en gros, ouais, c'est pour récupérer des fichiers, mais ça... non. CloudInit a un timeout de 5 secondes. Tenez, je vais vous poster le lien, des fois que ça vous intéresse. Hop là. Et il va réessayer 10 fois avec un délai d'une seconde durant les essais. Ouais. Bon, c'est pas forcément ce que je voulais. Ah, ok. Il nous a montré le bout de code. Ok. Bon, c'est pas forcément ça que je voulais. Est-ce qu'il y a moyen de faire un include d'un autre fichier de conf? Comme ça, moi, je fais un fichier de conf sur la partie... Enfin, sur tout ce qui est, par exemple, certains packages ou certains trucs. Et puis ensuite, je mets que ce qui est spécifique à la machine, quoi. J'ai une partie commune, quoi. Disabling user data. Ouais, non, c'est pas ce que je veux. Include file. The content is include. The file contains a list of URLs, one per line. Each of one will be read. Content will be passed through the same set of rules. Le contenu peut être GZIP, nanana ou plain text. Salut à toi, Tuxit. Ah ouais, mais en fait, il fait pas une inclusion. Ça risque d'être compliqué parce que... Eh oui, CloudInit, encore. Ouais, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui, bah c'est vrai qu'il a ses défauts, CloudInit, mais il est quand même pratique. Hein. Mais je pense que je vais peut-être aller un peu trop loin. Si je cherche à faire ce que je veux faire. Donc je pense que je vais en rester là pour l'instant.
Est-ce que je le vire après le setup des VM? Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais ça pourrait être effectivement une excellente idée. Ça pourrait être une bonne chose. Dans mon cas de figure, là, c'est du lab. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, on s'en cogne. Mais de ce côté-là... Oui, c'est vrai que c'est... En théorie, une fois qu'il a été lancé, il y a plus de raison pour qu'il soit réappelé genre lors d'un démarrage suivant. Mais j'ai envie de dire, on sait jamais. Hein. Sur un malentendu, il pourrait se réactiver et voilà. Et oui, voilà, c'est ça. Genre, tu modifies ton fichier, tu restarts et après, ça fait des chocs à pic dans la VM après. Moi, je vois tout à fait ça. Voire même, on pourrait imaginer un cas de figure où un utilisateur malveillant arrive à déployer un genre de config mal formé pour utiliser, j'ai envie de dire les mots le vocabulaire approprié à ce genre de situation, un fichier mal formé dans lequel au hasard il rajouterait, je sais pas moi, une clé SSH sur un utilisateur administrateur, et là c'est open bar. Ouais, exactement, on est complètement en phase, Tuxit. Bien. Donc globalement, je pense que pour le moment, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin, quand je dis ça c'est fait, c'est-à-dire que globalement, tiens, je pourrais peut-être essayer. Si, ouais, non. Non, c'est pas fini. Je pense qu'il va falloir que je fasse une dépendance sur les DNS. Et ensuite, une fois les dépendances sur les DNS créées, lui, je vais faire en sorte qu'il démarre après les DNS. Et une fois qu'il a démarré après les DNS, je pourrais peut-être justement lui dire, tiens, utilise le DNS pour te connecter à Internet. Et après ça, on pourra peut-être attaquer le BGP entre ces deux machines-là. Parce que pour le moment, si je tente un ping d'un DNS vers l'autre, ça ne passe pas. Hop, je reviens ici. Voire même là. Bon, allez, on va aller là. Hop. Et ensuite, je fais un petit ping vers 10.2.1.1. Alors déjà, là, ça marche pas. Et alors le 53. C'est même pas la peine d'y penser. La grande question reste, est-ce qu'on peut désactiver CloudInit avec CloudInit? Eh, mais c'est trop une question intéressante, Tuxit! Eh, tu sais quoi? Je te propose un truc. On a quoi, là? RPM-QA PipeGrep Cloud. Il y a CloudInit et CloudUtils GrowPart. Ce que je te propose, c'est que je vais essayer de rajouter dans les commandes... Tiens, non. C'est quoi? C'est quelle machine, là, que j'ai faite, là? ISP1 DNS1. Ok. Donc, je vais revenir hop, ici, au niveau de CloudInit. Et là, je suis dans le fichier de conf du DNS1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un DNF moins Y erase cloud-init et on voulait mettre cloud-utils. Oui, pour le désactiver, Tuxit. Pour le désactiver, mais encore une fois, si c'est qu'un pauvre fichier à désactiver. Alors que là, s'il faut carrément réinstaller le soft, cloud-utils-growpart. Hop là, cloud-utils-growpart. Part. Voilà. Donc là, normalement, en toute logique, le truc devrait dégager. Voilà. Power down. On delete. Voilà. Et je réapply. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que le truc va être assez futé? Est-ce qu'il va me laisser faire? C'est surtout ça.
Note que je l'enlèverai très probablement pour une raison très bête, hein. C'est que du coup ça fait du temps en plus sur le setup. Ça fait du temps en plus désinstaller le truc. Ah ouais, c'est pas bête de laisser le gros. Mais dans l'immédiat, en fait, de toute façon, j'enlèverai ce que je viens de rajouter pour une raison très simple, c'est que il prend déjà du temps d'installer des softs, et ensuite il va prendre du temps pour en désinstaller d'autres. Donc je... Alors, ce mari qui me dit que ça va dépendre de la structure de Cloud Init. Tu supprimes les fichiers alors qu'ils tournent. Ouais. On va voir. On va voir. Donc là, il est en train d'installer. Et erasing complete. Je crois que ça passe, hein. Je crois qu'il vient de... Il vient d'effacer Cloud Init. Non? Ah non, erasing. Qu'est-ce qui me désinstalle? Received sick term. Ah ouais, à la désinstallation, il a un sick term. Merci beaucoup pour le follow au Flow7. Merci beaucoup. Et effectivement, il y a un fail d'unit. Donc si je fais rpm-qa grep cloud init, effectivement, il n'y a plus rien. Et le fail d'unit, si je fais un sudo systemctl status. Dégradé. Il faudrait le config pour lui dire exécution seulement au premier démarrage et après les autres boots. Mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est tout l'intérêt de Cloud Init, c'est que son comportement par défaut, c'est ça. Il s'exécute au premier démarrage. Là, l'idée, c'est de le désinstaller pour être certain qu'il n'y ait pas de nouvelle exécution accidentelle. Ce qui, a priori, a l'air de se faire, mais provoque un truc en erreur. C'est-à-dire qu'en gros, vu qu'il se désinstalle, bah, genre, il lance pas le final message, par exemple. Et donc, on se retrouve avec une erreur. Ouais, access denied. Normal. Alors moi, ce que j'aurais tendance à faire dans ce cas-là... si tu ajoutes un user dans ton fichier, il ne le crée pas même après. Il me semble que chaque reboot, il réexécute le fichier. Moi, il me semble que il ne le... Ce mari, je trouve que c'est très pertinent ce que tu proposes. Et j'étais justement en train de me dire que dans le cas de mon lab, je pourrais envisager de désinstaller Cloud Init via Ansible. Genre une fois que toutes mes machines ont démarré et ont eu leur config initiale via Cloud Init, la machine qui tiendra la conf, tous les fichiers Ansible, pourra se connecter à toutes mes VM et lancer une désinstallation de Cloud Init. Bon, bah on est sur la même longueur d'onde. Remanon, je pense que si je le fais, ce sera peut-être plus pertinent de le faire par ici. Mais dans l'absolu, donc Cloud Init peut se désinstaller lui-même. C'est juste qu'à la fin, eh ben, il termine en erreur. Voilà. Mais ça marche. C'est moche, mais ça marche. À noter d'ailleurs que du coup, je ne pourrais pas désinstaller... Est-ce que je pourrais... Je me pose une question si je pourrais désinstaller Cloud Init de mes routeurs. Parce que les routeurs que je vous montre là sur le schéma, c'est des routeurs qui utilisent une distribution Linux qui s'appelle VIOS. Et cette distrib Linux VIOS, elle est basée sur Debian, mais par défaut, elle n'inclut pas Cloud Init. Il y a une documentation sur le site de VIOS pour ça, pour intégrer, pour créer une image avec Cloud Init dedans. Bon appétit, ce mari. C'est très gentil d'être passé, en tout cas. À bientôt, j'espère. Et merci pour la bonne continuation. Donc ça, je ne sais pas si lors d'une mise à jour de l'image de VIOS, il me désinstallerait de fait Cloud Init, ou si à la limite... Ouais, remarque, il y a quand même un shell qui est accessible.
Donc à la limite, je pourrais lancer un APT purge de Cloud Init. Toujours est-il que pour le moment, je sais même plus où on en était. Ah oui, je voulais rajouter côté Terraform, hop, ici, je voulais rajouter un autre temps d'attente pour que la machine virtuelle qui va justement tenir le Ansible attende que les DNS soient up. Alors, c'est une excellente question, Tuxit. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé en début de vidéo. Alors, j'utilise pour le moment deux images. La première, bah tiens d'ailleurs, tu sais quoi, si je fais ici, voilà. Ça va répondre à ta question. Et ça, c'est dispo dans dans le GitHub de ce projet qui est. Hop, je vais le reposter. Hop là. Voilà. Et en gros. Il y a deux images. Une image Fedora 36 de base, qui pour le moment, alors pour éviter de la retélécharger de temps en temps, elle est, je l'ai mis en source locale. Mais en gros, voilà, elle est, c'est l'image de base. Je sais que j'avais fait des streams pour créer ma propre image moi-même. Mais pour l'instant, je reste avec une image de base pour une raison très simple. C'est que comme ça permet à n'importe qui prend ce repo. De pouvoir utiliser cette image-là. Le seul truc qui est custom, c'est justement l'image VIOS, qui elle est une image custom que j'ai faite moi-même pour pouvoir intégrer Cloud Init. C'est la seule image qu'il faut recréer soi-même et passer un peu de temps dessus. Je l'ai fait hors stream, ça pourrait être une idée que je le fasse en stream. Avec Debian, ça m'énerve, c'est le user Debian qui est Dofi. Ah bon, il y a un user. Ah, dans leur image cloud. Je serais pas surpris qu'il y ait un. DNS Mask, Nils. Non, effectivement, sous Fedora, il n'y a pas l'air d'y avoir de user. Il n'y a pas de user prévu. Après leur image, l'image cloud de Debian, bah, si elle a Cloud Init d'intégrer, tu peux ajouter dedans. Hein, vas-y, delete-moi cet user. Je pense que c'est. Avant, tu utilisais Virt Builder qui te permettait de passer outre Cloud Init et de tout setup. Oui, effectivement. Sauf que voilà, builder sa propre image, bah du coup, à chaque fois que tu veux créer, chaque fois que tu veux mettre à jour ta conf, t'es obligé de builder une nouvelle image. T'es obligé de créer un master quelque part. Ou ce qu'on appelle une image gold aussi. Donc c'est une autre manière de faire. J'ai envie de dire, elle a aussi ses avantages, hein, c'est justement d'éviter Cloud Init, comme tu le dis. Après, Cloud Init a ses avantages et aussi ses inconvénients. Je pense notamment, dans le cas de Cloud Init, le gros problème, tu sens que ça a été fait, entre guillemets, à la base, pensé pour Ubuntu. Hey Xavier! Ça faisait longtemps, tiens! Oh, merci beaucoup pour le sub! Xavier, qui est l'un des fidèles soutiens de la chaîne, lui et Manon. Qui soutiennent régulièrement. Merci beaucoup pour ton sub. 7e mois consécutif. Oh, 7e mois. Non mais c'est. Je m'en remets pas. Hein. Je m'en remets pas. Ah non, c'est même pas 7e mois. Si? 7 month streak. Donc effectivement, 7e mois consécutif. Xavier, t'es génial. T'es génial. Ouais, je m'en remets toujours pas là du 7e mois. Je sais que y en a quelques-uns comme ça qui me soutiennent. Ça me fait toujours très très chaud au cœur. Tu arrives à la bourse, c'est le FISE ici. Tiens, c'est quoi ça? Ah bah. Je dis ça et puis il y a un Anonymous Gifter qui arrive et qui fait ça. Les subs, les subs, les subs, les subs. Merci beaucoup. L'Anonymous Gifter
qui vient d'arroser pour alors qui vient d'arroser pour qui? Pour Free Geek, pour Studio Cyanotype, pour Dashi, qui d'autre? Pour 0x5642, pour le Finnois. Comment ça le Finnois? Le Finnois, il a le Finnois est dans le coin? Ok, pas de pression. Alors j'ai d'autres... J'ai eu d'autres bruits, mais je vois qu'un seul... Ah, ça doit être un petit bruit par sub. Ah, c'est génial. Franchement, merci beaucoup à toutes et à tous pour les subs. Ça me fait toujours plaisir. Bah, l'Anonymous, hein, tu te reconnaîtras. Hein, et puis, bah voilà. Merci beaucoup. Festival International Sport Extrême. Oh! Il doit y avoir de l'adrénaline. Hein. Enfin bref, toujours est-il que nos 5... alors, je voudrais pas balancer, hein, mais il paraît qu'il y a un train de la hype qui pourrait redémarrer dans pas longtemps. L'anonyme est dans la place. Ouais, c'est ça. L'anonyme est dans la place. Mais moi ça me va que l'anonyme soit dans la place, hein, qu'il profite bien du spectacle. Visiblement, ça lui plaît. Donc... où est-ce que j'en étais, moi? Avec vos histoires de sub, ce qui me fait toujours très plaisir, j'ai perdu mon fil. Où es-tu, petit fil? Où es-tu, petit fil? Ah bah, chouchou. Ça y est, c'est parti. Alors... Je lance une tradition, c'est que à chaque fois qu'on termine un level de train de la hype, je lance la commande SL. Pour celles et ceux qui ne savent pas, la commande SL permet d'avoir une jolie animation de train en art ASCII sur son terminal. Donc, si jamais vous voulez voir le petit train de la hype en ASCII art, eh ben, faites-vous plaisir. Manon qui disait « Étrange, hier je pensais que c'était Alexia et maintenant je pense que c'est Xavier G. » Oh, on va... Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment de curiosité. Qui est cet Anonymous Gifter? Qui est-il? Quels sont ses réseaux? Et Manon qui préfère le rofle. Le rofle. Je vois pas de à quoi tu fais attention. Merci d'ailleurs quand même pour tes 100 bits, Manon. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Mais ouais, j'ai fait ça jeudi dernier. On a joué avec quelques options de la commande SL. Qui permet voilà, d'éviter les petits problèmes. Alors pour le moment, je n'ai pas encore tapé SL par inadvertance au lieu de LS. Ah, l'hélicoptère. L'hélicoptère. Alors là, j'ai pas d'hélicoptère. Ah, le Rofflecopter. Ouais, le Rofflecopter. Je sais pas s'il existe s'il y a une commande pour le Rofflecopter. Ah, c'est malin, je suis... Manon qui renchérit sur l'Anonymous Gifter, quel est son mobile pour donner autant? Je ne sais pas. Je suis aussi curieux. A-t-il pété son livret A? Oui, il a peut-être cassé son PEL. Je le souhaite pas, hein. Je le souhaite pas. Hein. C'est malin. Je vais faire une petite... On va faire une pause. Est-ce qu'il y a moyen de refaire le copter? Non? Service en accès libre, ok. Alors, je vais juste, au cas où, pour éviter qu'il y ait des trucs un peu... Il n'existe pas en... Merci beaucoup pour le sub, LC Kirua. Merci beaucoup à toi pour le sub. C'est gentil. Ah, d'accord, en fait, il y a des... Ok, mais par contre, j'aurais rêvé... Oh, c'est un chaton en plus, rofflecopter.fr. Et ça, c'est Know Your Meme. Mais il n'y a pas une commande qui le lance directement? Il n'y a pas une commande qui le lance. Ah, c'est malin, j'ai sub-gift et j'ai pas fait gaffe que j'étais pas sub. C'est dur leur dimanche. Pas de soucis, Tuxit. Pas de soucis, Tuxit. C'est déjà très gentil pour le sub-gift.
C'est déjà très gentil. Une lite. Un accident, les gens appellent à l'aide. Mais je crois qu'en plus, il y a plusieurs variantes de la commande SL. Parce que quand j'étais étudiant. Merci beaucoup pour le. Ah oui, d'accord, c'est sans doute Tuxit qui a offert un sub à LC Kirua. Et LC Kirua qui offre du coup un sub à Tuxit. C'est fantastique. Merci encore pour votre générosité. Merci beaucoup pour les subs. Et pendant ce temps, mon histoire de SL, quand j'étais étudiant, je crois me rappeler qu'il y avait une option pour spécifier le nombre de wagons. Je me trompe peut-être, hein, ou alors ça doit dépendre des implémentations. Parce que si je regarde. Ça vient d'où? GitHub.com. Hop. Alors, ah, donc là il nous montre le petit truc, ok. Il a peut-être la petite démo, mais il nous dit pas si on va dans le code C, qu'est-ce qui se passe? Alors j'en profite d'ailleurs, tous les subs là, tous les subs, que ce soit les subs gift ou les subs pas gift, vous avez accès maintenant à un jeu d'icônes spécial. Vous avez un jeu d'emoji mouton dont vous pouvez profiter. Donc amusez-vous avec, c'est fait pour. Anonymous, si tu es dans le chat, envoie-moi un MP, je veux savoir. Et là, on va apprendre que l'Anonymous Gifter, c'est... comment il s'appelle? C'est Satoshi Nakamoto? Allez. Non. Level 4, such strong support. Ah bah... Vous l'avez demandé. Hop. Alors, avant, est-ce qu'il y a une option qui vous ferait plaisir? Parce que là, on a eu un niveau qui est fini du train de la hype. Alors, et on va faire... alors, l'accident, c'est peut-être un peu triste. On va faire un moins F. Il vole comme ça. De façon, Galaxy Express 999. Voilà. Hop. Vous allez le voir apparaître dans un instant. Et voilà. Notre petit train de la hype qui s'en va. Merci, train de la hype. A bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour le follow, Inch Black. Merci beaucoup. Hop. Oh, j'ai reçu un level 4 hype train emote. La classe. Et on a... J'ai encore eu un truc, là. Hop. Alexia Gossa, qui a converti un sub prime en tier 1 sub. Merci beaucoup, Alexia, pour le sub. Merci beaucoup. Ça me fait très 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 plaisir. Alors, maintenant que j'ai fait mon petit train, j'en étais à... Ah oui, j'en étais à... Je voulais faire joujou au niveau des confs Terraform. Et avant de faire joujou avec les confs Terraform, je répondais, je crois, à Tuxit sur le fait que voilà, cette image-là, elle est custom. Ça pourrait être une idée que je vous montre comment je l'ai faite lors d'un prochain stream. Ça pourrait être une idée. Faudra pour cela que je refasse un conteneur Debian, justement. Mais ça peut être une bonne idée. Donc, on va se rajouter une ressource de temps d'attente. Hop. Et cette fois-ci, ça va être juste 30 secondes, je pense. Hop. Hop. Et on va dépendre du ISP1 DNS1. Hop. Non, ISP1 DNS1. Et on va rajouter slash ISP1 DNS1. Hop. Alors, c'est lui. Et lui, actuellement, il slip sur la dépendance du routeur. Non, c'est pas ça que je veux. Il était où le... Mais je crois que j'avais fait un... Même si je refais un P. Voilà. Hop. En fait, il faut que je mette 30 secondes maintenant. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, bah, on va pouvoir tout détruire et tout recommencer.
Pourquoi? Cycle. Libvir domain ISP. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, cycle sur lui-même. Voilà. Faut que j'aille chercher le VPS 1. Routeur. VPS 1, il est là. Ah bah c'était juste celui du dessous en plus. Ok, donc. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Allez hop, on détruit tout et on recommence. C'est reparti pour un tour. Alors une autre question que je me pose. Une autre question que je me pose pour mon home lab. Enfin pour mon lab, pour ce labo réseau là, c'est que si j'utilise Ansible pour que tout ce petit monde, enfin pas forcément les routeurs, mais tout ce qu'il va y avoir après, là où on voit qu'il y a trois VM que j'ai envie de mettre en place, potentiellement des trucs d'entreprise, entre guillemets. Je me dis, il va falloir que ça accède à pas mal de choses. Et Ansible, lui, se connecte via SSH. Ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que je crée une clé, une paire de clés SSH que je colle en dur dans le repo, et auquel cas j'assume complètement le fait qu'il y a une clé privée dans le repo. Et je dis, ben, de toute façon, c'est un lab, c'est une maquette. Donc, à ce rythme-là, ben, la sécu. D'ailleurs, à ce propos, hein, dans mes fichiers Cloud Init, le mot de passe de l'utilisateur NILS, c'est password. Hein, et le mot de passe root, c'est password aussi. Les machines étant sous iOS, j'ai laissé les identifications par défaut. Donc, iOS, c'est complètement assumé. Alors, LCQRA qui dit Private Key Committee, bon bah unsub. Et justement, ce que j'étais en train de me dire, c'est pour la blague, est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir s'il y a moyen de générer en fait dynamiquement la clé et ensuite de l'intégrer quelque part? On aurait peut-être la même problématique avec qu'on a sur les includes, les fichiers d'include pour la partie Cloud Init. Donc ce serait un peu ennuyeux. Ou à moins que j'arrive à faire en sorte que Ansible arrive à se connecter avec un mot de passe. Sachant que les machines auront un utilisateur avec un mot de passe bidon. Mais je pourrais derrière, par exemple, faire qu'Ansible se connecte avec le mot de passe bidon, pose la clé, et ensuite utilise la clé pour les prochaines autantes, et désactive l'autante par mot de passe. Ça peut être une idée. Je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais voilà, j'en vois juste les idées comme ça. Alors, a priori, il nous a fait quoi? Il nous a fait la minute et après il nous a fait les 30 secondes. Sauf que ce que je n'ai pas prévu, c'est il en est où le petit père? Il a fini ou pas? Qu'est-ce que j'avais dans les packages à installer sur... ça c'est le DNS. Hop, ça c'est le VPS. Qu'est-ce que j'avais dans les packages? Ansible-core. Est-ce que Ansible-core est installé? Hop là. A priori, non. Ok, donc ça passe. Et maintenant, le truc que je vais vouloir mettre, justement à ce niveau-là, c'est de dire, hey, au fait, le DNS, maintenant, c'est... Hop, sera 53. Et on va voir si 30 secondes, ça suffit. Pour qu'il aille se connecter. Ah, pas encore installé. Je crois qu'il est en train de mettre. Ouais, il est en train de faire son petit, sa petite mise à jour des repos au moment de l'installation. Allez, voilà. Git core, ifttop, ansible, lsref. Nickel. Et là, on est bon. Et là, on est bon. Donc maintenant, c'est reparti pour un tour. Hein. Je trash tout. Hop, à nouveau. Et on va voir s'il arrive à tout refaire. Salut à toi, Docteur Cookies. Bienvenue, first time chat. Tu es désolé de faire le touriste comme ça. Mais non, faut pas. T'as le droit d'être touriste, y a pas de souci. Mais quel est le projet initial? Y a pas de problème. Y a pas de problème. Alors, le projet, c'est ça. En gros,
Ça, c'est un schéma de maquette réseau que je veux mettre en place en machine virtuelle. Et je pourrais le faire à la main, je pourrais créer une nouvelle VM, installer la VM et puis faire mes trucs. Ça va bien une fois, je l'ai fait une fois avec un autre genre. Et là, ce que je voudrais faire, et ce que je suis en train de faire depuis plusieurs semaines maintenant, c'est de faire en sorte que tout ça, ce soit automatisé. En utilisant des briques de gestion de conf et d'infrastructure as code, comme Ansible, comme CloudInit et comme Terraform. Tout à fait, Tuxit, l'hyperviseur sous-jacent, c'est KVM. Donc la machine de stream est sous Linux, j'utilise libvirt et KVM, et justement Terraform arrive à se, comment dire, à s'interfacer avec libvirt pour pouvoir créer des réseaux virtuels. D'ailleurs, je peux les remontrer, hein. Là j'ai l'interface du Virtual Machine Manager. Hop, hein, si je fais un petit détail ici. Alors je pense que c'est peut-être un peu petit pour vous, mais vous voyez, il y a plein de sous-réseaux, enfin sous-réseaux, plein de réseaux virtuels qui ont été créés. Et qui sont les réseaux virtuels de ce schéma-là, tous les traits. Ce sont les réseaux virtuels. On peut peut-être même les lire un peu mieux si je viens ici. Hop, on va se mettre ici. Je fais un sudo virsh net-list avec un seul i. Hop. Et là, vous voyez, il y a tous les réseaux et ils sont indiqués. Est-ce qu'ils sont en autostart? Est-ce qu'ils sont persistants? Ce genre de choses-là. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Dr Cookies. Pop, 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 pom. Ça, on est où d'ailleurs? Tiens, hop, il a fini. Et le VPS, est-ce que CloudInit, running, ouais. Alors, si je fais un etc resolve.conf, bah c'est le truc de chez systemd. System, non, c'est resolve CTL. Hop, resolve, non, pas resolve conf, resolve CTL. Et il m'a dit 10. Tiens, il m'a dit 10.1.1.1. Shit. Fichtre. Je pense qu'il n'a pas encore 10.1.1.9. Ouais, c'est pour ça. C'est qu'en fait, il a pas encore. Il est encore sur le DHCP, il n'a pas encore récupéré les infos. Ce qui veut dire qu'en fait, si je regarde ça. Ah, il installe les packages avant. Ok. Donc, ce sera pas problématique. C'est il installe sa petite config au début, sans passer par le DNS, et après. Donc, c'est pas gênant que je lui mette après l'IP du serveur DNS comme ça. Ok, nickel. Nickel. Ça, c'est plutôt pas mal. Touriste, mais il n'y a pas de souci. À quoi te servent ces réseaux virtuels? Eh bien, l'idée, c'est qu'en fait, chaque routeur qui est présent ici va représenter un fournisseur d'accès Internet complètement fictif. Et donc, chaque fournisseur d'accès Internet est relié à deux autres fournisseurs d'accès Internet. Et je compte mettre en place du routage dynamique entre tous ces routeurs. De façon à, entre guillemets, simuler le fonctionnement d'Internet. Et pour le moment, on est juste sur cette partie-là, qui, entre guillemets, est indispensable pour la suite, puisque, en fait, ces deux routeurs-là, eux, sont reliés au réseau virtuel principal de mon PC. Donc il faut qu'il puisse sortir sur Internet. J'aurais pu ne pas mettre ce réseau-là, par exemple, mais ça peut être intéressant comme ça si je coupe les deux réseaux ici, tout est en circuit fermé. Et donc là, je mets en place les deux serveurs DNS et cette machine-là, sur laquelle je vais ensuite mettre des briques de gestion pour pouvoir ensuite tout déployer à partir de cette machine. Et comme ça, une fois que ma maquette est prête, eh ben, je peux faire joujou avec ou détruire des trucs.
Oui, simuler le fonctionnement d'Internet. J'admets volontiers que c'est un peu ambitieux. Et c'est pas avec 6 routeurs que je vais être, comment dire, me rapprocher du fonctionnement réel, mais ça peut avoir un petit aperçu. Hop, alors. Si je relance Resolve CTL, cette fois-ci, on a bien le 10.1.1.53. Nickel. Génial. Ça va peut-être être mes famous last words, mais j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, maintenant il n'y a plus rien qui va marcher. Maintenant que je l'ai dit, c'est fini. Plus rien ne va marcher. Je vais perdre des heures sur les prochains réglages. Donc, j'ai globalement un cours de 5 minutes sur le fonctionnement d'Internet. Non, alors déjà 5 minutes, ça suffirait pas. Et ensuite, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que ça. Et c'est Ataxia Network. Alexia Gossa, chouchou. et Ataxia Network, je crois qu'il y a une vidéo. Merci beaucoup pour. J'ai cru entendre un bruit de follow, de sub. Ah, bah c'est le follow. Merci beaucoup pour le follow, Dr. Cookies. C'est gentil. Comprendre Internet, oui, effectivement, il y a les confs de Benjamin Bayard. Et il y a aussi, et il y a aussi Ataxia Network. Et merci pour le follow, AliceLab404. Merci beaucoup. Alors. Où est-ce que je voulais oui, j'avais dans mes, je crois, dans mes trucs à regarder plus tard. Hop. Il y a une vidéo en particulier qui est intéressante. Alors, je vais couper par précaution le son sur mon onglet YouTube. Et dans mes à regarder plus tard. Hop. J'ai trop de vidéos à regarder plus tard. Ah, c'est dans les coulisses du cloud. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est dans les coulisses du cloud. Mais ouais, effectivement. Alors, par rapport aux rediffusions sur YouTube, tu attends combien de temps? La playlist? Alors, c'est pas une question d'attendre. La playlist. Non, ce sera pas la playlist TP Linux. Alors, en fait. Manon, en gros, c'est juste que c'est juste qu'on manque de temps. Quand je dis, enfin, qu'on manque de temps. En gros, c'est Studio Cyanotype qui fait le montage des vidéos parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi pour ça. Et on n'a pas le temps en ce moment. On n'a pas le temps. Et en fait, tu vas me dire, mais il n'y a pas vraiment besoin de montage. En effet, c'est 15 minutes par vidéo, c'est couper l'intro, s'assurer qu'il y a 20 secondes à la fin pour mettre le petit truc YouTube, mettre des petits boutons abonnez-vous à la chaîne YouTube, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne YouTube au passage. Merci pour le follow, Benjamin DM, merci beaucoup. Juste faire ça et du coup reprocesser la vidéo pour la donner à manger à YouTube en fait. Et derrière, une fois que les vidéos sont uploadées, faut que je remplisse les descriptions. Donc c'est juste, on n'a pas le temps de faire ça en ce moment. Et quand on le fait, c'est par lot de, du coup, 5 ou 6. Donc, il y a des fois, je me dis que je devrais peut-être, comment dire, essayer d'automatiser ce truc. Mais le montage vidéo, je ne sais pas trop comment je pourrais l'automatiser. Ce serait un tout autre sujet. Ok, et eh ben écoute, Alexia, ce que je vais faire, c'est que je vais sans aucune honte copier le lien vers site vidéo et le mettre dans les liens du live du serveur Discord de la chaîne. Merci beaucoup pour ce lien. Partient le réseau. Ah oui, effectivement. Où en étais-je moi? J'étais en train de me dire qu'a priori, celui-là. Alors du coup.
Du coup, maintenant que lui, il démarrera bien après. Et de toute façon, au début, il est en DHCP et eux donnent une IP de DNS et ils font forward pour aller là-bas. Et ben globalement, ça c'est bon en fait. Il n'y aura plus qu'à mettre en place le routage BGP entre les deux. Est-ce que ça peut se tenter maintenant de faire un petit coup de BGP comme ça en mode vas-y, vas-y à l'arrache? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder. Hop là. Je vais aller regarder directement dans la doc de VaiOS en fait. Hop là. Alors, est-ce qu'il nous propose un petit truc? Parce que je crois que c'est ce que j'avais utilisé. C'est ce que j'avais utilisé, je crois, au début. Hop, exemple. Voilà. En gros, voilà. Je vais me baser globalement sur ça. Hein. Je vais pas m'embêter. BGP, c'est quoi ce matin? Bisous à toi, Alexia, si t'es pas encore parti. À bientôt. Merci d'être venu, en tout cas. Et Tuxit qui demande qu'est-ce que c'est que BGP. Alors BGP, ça veut dire Border Gateway Protocol. Et c'est un protocole de routage dynamique. Et qu'est-ce que ça veut dire tous ces gros mots? Eh bien en gros, le but, c'est que aujourd'hui, tu vois, là il y a le routeur ISP1. Je vais zoomer un peu d'ailleurs si je peux. Hop, voilà. Hop, on va se mettre un petit peu plus gros. On va le mettre là. Donc là, j'ai mes 6 routeurs qui sont, enfin, dans le schéma en tout cas, et qui sont interconnectés, chacun 2 à 2. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu as lui qui veut parler à lui, eh ben, il peut passer par plusieurs chemins. Et l'idée, c'est que plutôt que de lui dire en dur dans sa conf, au fait, tu devrais passer par ici, par là, puis par là, ou alors plutôt par là, et par là. Eh ben, l'idée, c'est de dire, tu dis, eh, au fait, tu sais faire des choses de façon dynamique. Lui, il dit, eh, au fait, tu sais faire des choses de façon dynamique. Et surtout, tu annonces à tes copains, toi, tes propres réseaux. Ce qui fait que, à force de s'annoncer les uns les autres les réseaux qu'ils connaissent, tu te retrouves avec une sorte de gros annuaire qui est pas un gros annuaire qui est en fait la propriété d'une seule personne et qu'il distribue à tout le monde, mais c'est une sorte d'annuaire contributif. Et surtout. Ça permet de dire, hey, au fait, si je veux joindre ISP3 depuis ISP1, bah, le chemin le plus court sera probablement via ISP2. Alors, dans un home lab au sens propre du terme, et moi je sais que j'utilise mal le mot home lab dans ce cas-là, oui, c'est complètement overkill. Mais là, le but, c'est juste de faire une maquette pour le fun. C'est juste pour voir comment mettre ça en place, en fait. C'est juste ça. J'aurais tendance à dire for the dolls. Le but n'est clairement pas d'avoir un truc qui tourne H24. Clairement pas. Je vais pas ouvrir les services DNS à l'extérieur. Je vais pas ouvrir un service web avec les 6 routeurs avant. Après, le oui, le routage dynamique, peut-être dans un home lab. Ça dépend si tu te crées des DMZ, si tu te crées un home lab que tu veux laisser chez toi H24 et par exemple t'auto-héberger, tu vas peut-être vouloir mettre ton serveur web dans une DMZ. Tu vas peut-être vouloir avoir par exemple un sous-réseau différent pour ton Wi-Fi. Dans ces cas-là, tu n'as peut-être pas forcément besoin de routage dynamique, effectivement. Ou alors tu peux le mettre en place pour le fun. Mais oui, ce serait overkill si c'était pour entre guillemets, de la production personnelle. Mais là, c'est pas le cas.
T'as déjà une dizaine de VLAN. Bon, bah. Parle-moi d'overkill. Parle-moi d'overkill avec une dizaine de VLAN. Bien. Bah, je pense qu'on va faire. On va faire ça. Hein, on va pas s'embêter la vie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller me connecter directement sur les routeurs. Hop. Alors. ISP1. ISP1 routeur 1. Voilà. VIOS. VIOS. Hop, on va aller se mettre ici. Toi, je. Hop, je laisse. Alors, Gizmo qui nous dit Overkill, Clément avec ses deux fibres noires jusqu'à son appart, il est en LAN avec TH2. Oui, effectivement. Bonne soirée à toi, Manon. Merci d'être passé. Et ISP2 routeur 1. Hop là. VIOS et VIOS. Hop. Alors, la première chose qu'on peut vérifier, alors pour ceux qui se posent la question, Gizmo fait référence à un monsieur qui s'appelle Clément et qui est sur Twitter sous le pseudonyme de Acontios et qui effectivement a réussi l'exploit d'avoir deux fibres noires directement reliées à un data center depuis chez lui. Si un jour je fais un lab ClusterSafe plus dashboard, ça t'intéresse? Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée à l'occasion. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, si jamais vous avez des idées, vous pouvez aussi les ajouter là-dedans. Il y avait une sorte d'ébauche de planning dans ce petit document, dans ce petit Framapad. Mais si vous avez des idées de lab. Alors ouais, enfin, j'ai causé avec 45 Drives. Ouais, j'ai répondu à leur message marketing. Mais je pense pas que 45 Drives va m'envoyer une machine de sitôt. Hein. Alors, Inch Black, first time chat, bah, bienvenue à toi déjà. Salut tout le monde, tu as jamais entendu parler de Terraform et Wikipédia, ils parlent d'infrastructure as code, t'as pas bien compris. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infrastructure as code? Il n'y a pas de souci, je raconte vite fait. En gros, là, non, voilà, là, tu vois, j'ai des fichiers en mode... Non, pardon, j'ai un truc qui me... Hop, le nez qui gratte. Pardon. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que là, tu vois, j'ai des fichiers de configuration avec des ressources. Donc là, par exemple, j'ai une ressource d'un volume qui a un nom et qui est dans un truc qui s'appelle un pool. Si je descends un peu plus bas, je vais avoir une ressource de type libvirtdomain qui a un nom, qui a de la mémoire, qui a du CPU, qui est en gros bah, comment je décris une machine virtuelle. Et puis si je descends un peu, tu vois qu'il y a des network interfaces. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est que l'infrastructure as code, c'est de pouvoir définir des éléments d'infrastructure informatique en les définissant dans des fichiers de déclaration. Et donc, le principe, c'est que Terraform prend mes fichiers .tf. Il voit que, par exemple, j'ai voulu créer une machine virtuelle qui s'appelle ISP1 Router 1, qui a 512 MB de RAM, qui a un processeur virtuel et qui a 4 interfaces réseau dans différents réseaux virtuels. Et donc, Terraform, il prend ça et il va traduire ça en action au niveau de mon logiciel de virtualisation, qui est donc KVM Libvirt. Et il dit, eh, au fait, je lance l'action de créer une machine virtuelle avec ce genre de choses-là, de créer les réseaux associés. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça, Inch Black? Hop. Alors, il n'y a pas que Terraform, d'ailleurs, dans la vie. Il y a aussi, côté AWS, mais c'est spécifique à AWS, CloudFormation.
par exemple, dans le cas, enfin, en tout cas dans le cas d'AWS. C'est les deux dont j'ai entendu réellement parler, hein, Terraform et CloudFormation. CloudFormation est spécifique à AWS, alors que Terraform peut se brancher, je ne vais pas dire à tout et n'importe quoi. Il se branche à ce qu'on appelle des providers, et il faut que des gens créent des providers pour ça. Ok, c'est plus clair. Et donc, si Terraform n'a aucune idée de comment parler à l'API de AWS, par exemple, bah, il pourra rien faire. Comment je connais la syntaxe Terraform ? Ça reste entre toi et moi, hein, Gizmo, mais je la connais pas. Je la découvre encore en live, hein. Ça y est, j'ai fait fuir tout le monde. Il n'y a plus personne. Non, vraiment, pour le coup, Terraform, c'est vraiment fake it until you make it. Ah, le genre CPU mode égale host pass-through. Ah bah ça, je suis allé chercher. En gros, dans ce cas précis, sur cette ligne-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'utilise le provider libvirt, et je sais que quand je vais dans, si j'ouvre ma VM, et que je vais ici, dans les infos de la VM, je peux aussi avoir les détails XML, et je sais qu'il y a une option justement, alors c'est peut-être pas forcément ici, mais quand je vais dans CPU par exemple, au niveau de la topologie, je peux lui dire, voilà, tu te mets en host pass-through. Je vais peut-être le montrer avec cette autre VM là, si je l'open et que je fais ça. Et CPU, tu vois, je peux le décocher et puis j'ai plein de trucs qui sont possibles. Donc, je vais cancel, hop. Et ce que je me suis dit, c'est est-ce que par hasard le provider libvirt pour Terraform sait le faire. Et en fait, je suis allé fouiller dans le code du provider. En gros. Est-ce qu'on peut faire pareil avec Proxmox QEMU ? Je n'en ai pas la moindre fichue idée. Ça dépend du provider. C'est est-ce que le provider va à ce point-là ? Il n'y a pas de souci, Alice Lab. Le logiciel de Virtu, j'utilise KVM libvirt. Je suis sous Linux, là, et j'utilise KVM libvirt. Donc, en gros, j'ai installé libvirt sur ma distrib Linux, comme je le fais habituellement. Et donc, là, la partie graphique pour voir ça, c'est donc le Virtual Machine Manager que je vous recommande plutôt que d'utiliser GNOME Box. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si je l'ai d'installer. Hop là. Est-ce que j'ai GNOME Box ? Oui, je l'ai. Hop. Et GNOME Box, voilà, quoi, il... Ah ouais, je suis censé avoir un truc, une VM. Je suis censé avoir fait une VM macOS, mais... voilà. Mais voilà, GnomeBox, vous voyez, il voit même pas mes VM, là, qui tournent en local. Hop là. Mais oui, effectivement, pour celles et ceux qui tournent sous Ubuntu, j'ai fait une vidéo sur comment installer KVM libvirt. Je l'ai faite en Ubuntu 20.04, mais tu dois pouvoir la suivre sur les dernières versions aussi. Je sais que j'ai pas eu de problème à le faire en 21.10. J'ai pas encore essayé avec la 22.04. Où en étais-je, moi ? Oui, à la base, j'envisageais de faire du BGP, du routage dynamique BGP. Et ce que je me disais, c'était, là, j'ai un routeur, et là, j'ai un autre routeur. Et la première chose que je voulais faire, c'est utiliser show interface... Hop, faire la même chose ici, show interface, hop. Alors là, c'est pas de la ligne de commande Linux, hein. c'est un format de ligne de commande qui est spécifique, entre guillemets, à iOS, et qui est fortement inspiré des routeurs de chez Juniper. Et donc, j'ai normalement mon interco entre mes deux routeurs qui est ici. Ah oui, dessous, c'est du FRR. C'est du FRR. D'ailleurs, c'est une Debian. Hein. Je fais bash, voilà, enfin voilà, exit. Mais je peux faire un dpkg -list, tu vois.
Et si je fais un FRR, c'est du FRR derrière, hein, clairement. J'en étais où, moi? Je faisais un choix interface, ouais. Pop, 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 pop. Mais OpenWRT, c'est très bien aussi. C'est beaucoup plus léger, du coup. Et je voulais être ici. Et ce que je voulais faire, c'était faire un ping. Un ping, hop, de mon autre camarade. Hop, qui doit être là et qui est du coup, lui, en 10.1, 2.2. Donc, je peux faire un ping de 10.1.2.1. Donc là, ça passe. Et du coup, bah lui, ça passe aussi. Voilà. Donc ça, c'est cool. Déjà, ils arrivent à causer. Ils arrivent à causer. Ensuite, si je reprends mon biniou, là, j'ai ma doc. Je vais vous la poster si jamais ça vous intéresse. Hop. Voilà. Et je vais revoir mon schéma. Et il dit que ici, je suis la S65001. Et là, la S65002. Donc, sur mon routeur ISP1, je vais lui dire qu'il est 65001. Ah oui, configure. Hop. Voilà. On va aller ici, on va faire un configure aussi. On lui dit 65002. Hop. Ensuite, on va lui dire. Alors. On va lui dire que son neighbor, eh ben, c'est 10, 1, 2, 2. Et BGP multi-hop 2. Voilà. Ensuite, on lui redit, hop, on lui redit d'après la doc qu'il faut lui donner le remote AS. Donc, qui dans ce cas de figure est 65002. Hop. Et que si je reprends ça à nouveau, update source. Et je lui dis, hop, ça devrait être bon. Et ensuite, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui dire, eh, au fait, le réseau que je vais annoncer, eh bien, ce sera, on a encore gagné un truc, c'est Lazloli qui vient de me follow. Merci beaucoup, Lazloli. Merci à toi. Et donc, ensuite, le réseau que je veux annoncer. Le réseau que je veux annoncer, c'est celui-ci. C'est 10.1.0.64. Hop. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va lui mettre un routeur ID. On va lui mettre un routeur ID. Donc, le routeur ID. Hop. Et on va lui donner sa propre IP en fait, hein, comme router ID. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais aller ici et je vais faire la même, mais dans l'autre sens. Donc là déjà, le neighbor, il va être 10, 2, 1, 1, avec le même multi-hop PGP. Hop. Voilà. Et on va rajouter, encore une fois, celui-là, hop là, en remote AS, hop, puisque là je suis sur le 2, donc le remote c'est le 1, hop, lui il parle du neighbor, hop, update source, ça c'est dans l'autre sens, voilà, et ensuite on lui dit. Et là, ce sera 10.2.1.0/24. Et ensuite, je lui dis le routeur ID. Alors, j'ai peut-être pas dû prendre 10.2. Je vais le remettre. Je vais lui dire que ce sera 10.1.1. Hop là, voilà. Et comme ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir lui dire ici le routeur ID.
Hop, ce sera 10.2.1.1. Hop. Et donc, normalement, si je fais un commit ici, il passe. Et si je fais un commit là, il passe. Maintenant, si je fais un petit show BGP, non, hop, exit, oui, exit, show protocols BGP, non, il n'y est plus. Alors, hop, show BGP summary, je crois, hop là. No neighbors on in VRF default, comment ça? Ok. Et si je tente... alors, je vais le tenter en Linux. Si je fais un hyperroot show. Si je fais un hyperroot show, il ne me montre pas le 10.2. Il ne montre pas encore le 10.2. Donc, il doit y avoir une petite subtilité. Quelque part que j'ai loupé. Alors, BGP, donc j'annonce ce réseau-là, ok, le neighbor, c'est l'autre en face, et normalement, alors, ne pas oublier que le CIDR déclaré dans le network statement, ouais, doit déjà exister dans la route, dans la table de routage, donc c'est-à-dire celui-ci. Oui, il existe déjà, ce qui est logique. Hop, alors. J'ai annoncé ça. On est d'accord que c'est bien lui, hein. Ouais, il ping. Et lui, de ce côté-là, il en est quoi, show GP summary. Non, il me dit... ah oui. Ah, ils n'ont pas été sauvés, mais c'est pas grave. No BGP neighbors font une VRF default. Alors, où est-ce qu'on peut... On peut voir dans la doc. Est-ce que... Alors, a priori, les routeurs ID devraient peut-être plutôt être les IP d'Interco dans leur truc. Donc on peut essayer de modifier ça. Donc on va remodifier le routeur ID. Et on va lui dire, je pense que ça doit être ça, hein, qu'il est 10.2.1.1. Hop, commit. On va revenir ici, configure, BGP, parameters, routeur ID, 10.1.2.2, hop, et on commit.
Non, toujours rien. Ah oui, je suis toujours en... Hop là. Et j'ai toujours la même erreur. Bon, on va poser les questions. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qui se raconte de beau? Remanon, ouais, non mais je vais pas tarder à arrêter. Dès que j'aurai mon routage BGP qui marche là, entre les deux machines, je m'arrête. Alors, comment j'ai fait pour me planter? No BGP préfixe display. Pourtant, on va faire un petit show configuration. Alors il y aurait une option hein, qui consisterait à essayer de rallumer mon home lab qui ne marchait pas et pour quelques minutes redémarrer une VM. Mais ce serait un peu de la triche. Alors, où est-ce que j'aurais des commandes qui me permettraient... Alors... Valide best, ok. Et d'après le truc, si je fais un show IP BGP community list, ah, il me faut rajouter un nom. Display de route. Si je fais 1, 2, ouais, non. Ça, j'ai pas. Show, show IP BGP community info. J'ai rien. Alors. Ah là là. C'est marrant, j'aurais juré que... Parce que là, du coup, je vois rien du tout. Et je suppose que si je vais... Hop, pardon. Hop, si je reprends la même commande. Ou plutôt, show IP BGP. Hop, et que je viens ici. Là. Voilà. Je me suis pas trompé dans les subnets. 10, 2, 1, 0. 10, 1, 2, 1. 10, 1, 2, 2. Alors là, je suis sur laquelle? Ouais, je suis sur le lui. Et j'ai mon routeur ID. Ok. Bon. Bah, je pense qu'on va rester sur cette erreur. Et que je pense que je vais aller...
que je vais aller rechercher dans mes anciens dans mes anciennes confs, hein. Et puis qu'on verra ça jeudi en fait. Parce que c'est quand même un peu... Est-ce que j'ai le temps vite fait? En espérant qu'il fasse pas pimpon, j'ai trop chaud. C'est quand même un peu bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les trucs? Non, là j'ai rien. Tiens, show IP, BGP, neighbor, ça c'est intéressant ça. BGP neighbor 10.1 de un remote AS. Ouais, ok. Alors pourquoi il me fait BGP state idle? Last read, last write. Update source is 10.1 10.1.2.2. Ah, il y a peut-être une erreur ici alors. Si je fais un show configuration. Ah non. Non, non, c'est bon. En fait. Update source 10.1.2.2. Mais pourquoi il me dit update source is 10.1.2.2 ici? Show IP BGP neighbors. Alors. Alors. Voyons voir ça. Le hop, c'est la proximité réseau. Le prochain saut. Ah, peut-être qu'il faudrait que j'en mette qu'un seul, alors. Hop. Alors. Donc on disait les hop. BGP multi-hop 2. On va en mettre qu'un, tiens, on va bien voir. Hop. Pour le moment, ça bouge pas. Est-ce que il faudrait pas le faire de l'autre côté aussi?
pour le moment, ça change pas grand-chose. Je suis en train de démarrer un de mes vieux routeurs, mais j'aurais bien aimé voir où est-ce que j'avais. Ah, un nouveau. Merci beaucoup pour le follow, Tibal56. Alors. Hop, voyons voir ce que j'avais là-dessus. Alors. Alors, en IPv4 unicast, il n'y avait rien du tout. Ok. Il mettait rien dans les IPv4 unicast. C'était quoi cette blague? Et j'avais en router ID. C'est chelou ça. C'est chelou ça. C'est vraiment bizarre. Je dois avouer que c'est particulièrement bizarre. Alors, surtout qu'a priori dans ma configuration, j'ai pas mis de hop, j'ai rien configuré sur les hop. Donc je vais les faire sauter. Hop. Et j'avais mon set machin chose là, on va faire un delete. Voilà. Hop, et on fait un delete. Et on commit. Et pendant ce temps, là, j'ai redémarré tous les autres routeurs et leur réseau. Et en fait, ça marche. Et en fait, ça marche. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'annonce... Ah, je fais un IPv1, et là j'annonce un. Oula. Alors attends. Donc en fait, si je fais un history d'abord. En gros, quand j'ai fait mon truc. Tiens, c'est bizarre ça. Set protocols, BGP, adresse family IPv4 unicast, network, ouais. Ça, c'est ce que je lui ai dit. En fait, je pense qu'il y a eu une erreur. Non, pourtant. Ah, le BGP multi-hop, je l'avais. Je l'avais. Tiens, c'est quand même bizarre.
Ok. Je pense que je vais en rester là, malheureusement. Parce que je pense que plus je vais regarder, enfin plus je vais rester... je pense que je vais regarder ça à tête reposée. Parce que je sens qu'il y a une blague. Je sens qu'il y a une blague. Alors vous allez me dire pourquoi je suis directement dans la conf là comme ça, c'est que j'aurais aimé justement faire la conf. Faire la conf en live. Et ensuite la reporter dans la partie conf. Bon. Bon, et eh ben tant pis. Je pense qu'on va on va conclure ici parce qu'il est déjà 20h23. J'ai un peu dépassé par rapport à d'habitude. Bon, en tout cas, c'était assez cool. Mais il n'y a pas de souci, Manon. C'est pas grave si t'es pas à l'aise pour m'aider. C'est justement le principe. Enfin, c'est l'une des clés. Alors, ça fait un peu j'abandonne à la difficulté. Mais en gros, c'est que ça va me permettre, quelque part, en démarrant sur ça lors du prochain stream, d'avoir, entre guillemets, 2 heures pour débugger. Parce que le principe, c'est d'apprendre ensemble. Et très clairement, je suis pas là pour montrer des choses que je sais. Je suis là aussi pour apprendre. Toujours est-il que c'était quand même pas mal parce qu'on a quand même réussi à avoir une conf qui, à part le BGP, démarre plutôt pas mal. On a vraiment un début de maquette qui fonctionne, qui arrive à se connecter à Internet, qui arrive à récupérer des trucs. Donc c'est pas mal. Non, c'est pas j'abandonne car dans 40 minutes il y a le live de Yves. C'est plutôt aussi que. Oui, c'est peut-être plutôt aussi que. Voilà. Il y a d'autres choses comme effectivement manger. Toujours est-il que si jamais vous voulez voir la suite de ces aventures de labo Ascode, généralement je le fais le jeudi. Là c'était. Yves, il est là en discrétion. Merci Yordian, c'est gentil d'être passé en tout cas. Généralement, je fais ces thématiques-là le jeudi. Là, je les fais exceptionnellement un dimanche. Je verrai si je... Hey, merci beaucoup pour le follow. Glop, pas glop, merci à toi. Généralement, les jeudis, c'est de 20h à 22h. Et les dimanches, de 18h à 20h. Et le pouce. Vous pouvez me retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux, tout est indiqué en dessous, Twitter, Mastodon, Instagram et le Discord. Et Manon qui n'en peut plus de sa générosité, qui dans un élan offre un gift sub à Yorzian. Merci encore Manon. Manon, pilier de la chaîne. Généralement, voilà, alors je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais quand on a le temps de pouvoir faire les montages, je mets les vidéos passées sur YouTube, comme ça vous pouvez les regarder autant que vous voulez. Voili voilou. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Merci beaucoup pour les 100 bits, Yorzian. Merci beaucoup à toi, c'est gentil. Atmacall a disparu comme par hasard. Oui, bah j'imagine, hein, voilà. De toute façon, le live de Yorzian est à 21h, les gens veulent manger avant. C'est normal. Voili voilou. Eh bien, bonne soirée à vous aussi, bon appétit, à bientôt. Je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain. Bye bye!